Donc on va explorer comment Jung a vécu la croix de sa lune noire. Donc si vous reprenez son thème, vous voyez que la moyenne est à 0 degré du Sagittaire, la corrigée à 9 degrés sur le dixième degré du Sagittaire. Alors la question tout à l'heure était où est le point de soumission, où est le point de purification. Dans un premier temps, prenez l'espace entre les deux lunes noires. Mais comme effectivement là, le carré à la lune noire moyenne tombe en maison 1 et le carré à la lune noire corrigée tombe en maison 2, ça ne s'exprime pas de la même manière. Donc on est obligé d'être un peu plus précis et effectivement le point de soumission c'est le carré à la lune noire corrigée. Donc il va être en maison 2, en poisson. Donc le point d'affirmation sera en face, début vierge, et Priap sera entre 0 et 10 des Gémeaux, c'est-à-dire en gros en maison 5. Vous voyez que le maître de la lune noire, Jupiter, est en maison 9. Quelle est la branche de la croix dominante, à votre avis? Moi, je dirais Priap, parce que Mercure est valorisé. Donc après, vous regardez où sont les maîtres de chacun des points de la croix. Donc notez que ici, le maître de la lune noire est en 9, donc il va dans le sens de la 9, il va dans le sens du Sagittaire, et que le lieu où on va chercher à accomplir la lune noire, ce sera dans les voyages, ce sera dans la maison 9. Dans la quête de Dieu, dans la quête spirituelle, dans la vision philosophique et dans les grands voyages initiatiques. Jupiter est aussi le maître du point de soumission. Et Mercure est donc le maître des deux autres points, Priap et affirmation, et conjoint descendant. Qui valorise un peu effectivement ces deux points. Alors, donc je vous rappelle que la croix de la lune noire dit quelle est la quête essentielle de la personne, quelle est, comme Jung le disait très bien, quelle est la communauté de personnes qui travaillent sur la même ligne d'âme. Vous vous souvenez ce qu'il disait lors de sa NDE? Lorsque Uranus s'est opposé à ces deux lunes noires, au point médian de ces deux lunes noires, il a rencontré les autres héros qui étaient dans le même bateau que lui. Donc la lune noire, c'est vraiment quelles sont les personnes qui sont dans la même quête essentielle, ce désir de les. Alors, comment va se mettre en place cette quête essentielle? Vous vous souvenez que pour vivre sa lune noire, il faut cultiver Priap. Donc, je vous propose à nouveau quelques citations pour illustrer tout ça. Donc, la question religieuse, donc la question du Sagittaire, était au cœur du questionnement de Jung. Autrement dit, c'est par cette voie-là que l'inconscient se révèle à lui.